faut arrêter votre discours là. Arrêtez de faire vidéo. Arrêtez de faire vidéo. Je dis que c'est la loi d'Italien. Cela ne connaît pas politique. Si vous envoie sur les terrains de violence là, il faut les suivre là-bas. Parce que vous là, la position de Côte d'Ivoire là, est une position civilisée. Et ne connaît pas la violence. C'est vrai pourquoi votre est en paix et puis dit la Côte d'Ivoire sans problème. Je dis que le position de Côte d'Ivoire est une position civilisée. Voilà pourquoi Ouattara est en paix et puis dit la Côte d'Ivoire tranquillement et paisiblement. Mais qui ne pense pas que c'est une position qui a peur. On est tous Ivoiriens, on mange tous Garba. On mange tous Garba, on mange tous Poisson-Ton. Ok? Nous tous on mange sauce graine. On a tous connu Côte d'Ivoire, on a tous été zigueillés un peu. On est tous des Nifra. Faut pas se laisser Moumou là. Faut pas se laisser Moumou. Se laisser faire. Des petits voyous viennent vous trouver. Et puis, ils cassent vos matériels. Et puis, ça va avec ça. Donc, chez vous, là-bas, il n'y a pas force là-bas. Chez vous, il n'y a pas quelqu'un pour pas bien tirer ces bâtards-là. Chez vous, il n'y a pas quelqu'un pour les allumer. Il n'y a pas quelqu'un pour les allumer. Donc, si on ne peut pas faire ça, là, je vous dis une chose. C'est même pas la peine 2025, là, de penser à quelque chose, hein. Parce qu'ils ont commencé à vous montrer. À chaque fois, vous serez en meeting, là. Ils vont aller vous agresser. Donc, il faut leur montrer que ça va pas passer. Il faut leur montrer quand ils viennent là. Il faut se battre bien tirer là-bas. Quand vous allez allumer deux ou trois là, ils vont se passer les messages. Parce que ils se disent que vous là, vous avez peur. Vous devez vous dire, arrêtez. Ils disent entre eux là que vous avez peur, que vous ne pourriez faire. Je dis que voilà pourquoi il faut une adouille dans vous. Voilà pourquoi il faut une adouille dans vous. Même vous, c'est ce qu'ils parlent entre eux. Voilà pourquoi il faut une adouille. C'est-à-dire qu'il fait zier rentrer dans vous là. Mais c'est-à-dire que vous avez peur. Mais alors que c'est faux. Donc quand ils viennent à votre meeting là, champion, il faut prendre un. Il faut baisser sa propre. Il faut baisser sa propre. Ils vont comprendre. C'est quand même ça. Les gens vont faire leur meeting. Et puis on paye des badons. Ils vont aller pour agresser les gens. Ils vont à Korogo pour aller agresser les gens. Ils vont tuer son cognon. Ils vont à Yopougon, Jasko. Les gens vont faire meeting. Ils vont, ils cassent tout. Ils se cachent tout. Et ils apportent tout. Et puis ils sont en liberté. Champion, faut arrêter votre politique choco là. Avec ceux-là, ils ne connaissent pas ça. Continuez de sensibiliser les Ivoiriens, mais faut pas les laisser. Continuez d'aller sensibiliser les Ivoiriens. Mais il faut aussi vous mettre aussi votre côté animal. Tout est humain côté animal. Champion, moi c'est pas question de la Bible, hein. Quand on te gifle, tu l'as sous gauche, dans la joue droite. Champion, tu me gifles sous gauche là. Il y a un tout joue droite. Ah bon? Moi, c'est pas, par exemple, Bible pour dire que quand tu es gifle sur la couche gauche, dans la joue droite, je ne donnerai pas. Si tu donnes le hors derrière, la joue gauche, joue droite, il viendra gifler ta femme, tes enfants, tes parents, tu humilies partout. Champion, il faut se réveiller. Votre vidéo que vous allez faire, en disant que vous appelez les gens, vous prenez les gens à témoin là, non, on a compris. Maintenant, on ne veut plus voir vidéo comme ça là. Il faut laisser ça. Quand ils viennent là, il faut se battre comme des garçons. Champion, ils sont venus nous trouver ici à Aubervilliers. Ils sont venus nous trouver là-bas. Tiens, on s'est baissé là-bas tranquillement. C'est pas méchant, est-ce que moi les gros mots? Ils sont venus nous trouver, ils venaient faire des monsieur au Cameroun. On avait une réunion à Aubervilliers, métro fort populaire. Ils sont venus là-bas. Ils disent qu'ils vont frapper Namsi. Ils vont entrer en bris. On est champion ici là. On va se laisser. Et puis on s'est laissé. C'est pas un débat, on s'est laissé. C'est trop facile. Ils vont se lever comme ça, venir agresser les gens. Ils vont se lever comme ça parce que quoi? Tu vas te lever, venir me faire moi de Paris? Champion, on va te faire disparaître à Paris. C'est pas un débat. Tu vas te lever, venir m'agresser. Et puis t'es parti. Vas-y. Mais toi, on te fait disparaître à Paris. C'est moi qui ai dit ça. Tu vas venir m'agresser, t'as un fait politique. Tu viens tomber sur moi. Toi, tu vas plus sortir encore à Paris. Tu vas plus sortir. Tu vas te cacher. Sinon, si tu es dans Paris, là, tu es dans banlieue, là, champion, on va te localiser, on va te verrouiller, et puis on va te faire ça propre. C'est clair comme le bonjour. Moi, je marche seul dans la rue. Il n'y a pas de garde du corps. Mais t'as vu ma question, tu dis qu'il y a quatre mois. T'as vu tomber sur moi. Ok. Mais toi, c'est-à-dire que tu vas quitter Paris. Tu vas quitter. Même s'il faut qu'il parte en prison, là, tu vas quitter Paris. Parce que la vengeance, là, tu vas manger ça. Tu vas manger ça. Quand ils sont en boy, là, ils sont gueules. Tu vas manger vengeance, là. Et toi, tu vas regretter pourquoi tu es venu en Europe. Tu vas regretter pour en Europe. Partout, tu seras. Tu seras traqué, c'est pas votre débat de Boyi là. Vous faites le tour de Boyi. Non. Nous, on a gardé ici. Dans les cités, c'est pas les petits arribis, les petits blédards. Là. C'est pas ça. Hein. On a collection partout. Donc, c'est pas un débat ça. On a dépassé un certain stade. On n'a pas été vagabond. Quand on est venu, on n'est pas vagabond, c'est pas ça. Mais dans les réseaux là, on a ça quand même.
pas les petits présentateurs qui font les trucs pour plaire aux gens là. C'est pas ça. Faut pas se laisser faire. 2025 arrive. Hein. Ça arrive. Ne donnez pas le flanc au mitin du RDR. D'aller vous agresser, vous allez faire des vidéos. Parce que la prochaine fois même, je vais faire vidéo contre vous. Ah, vous allez tenter de faire meeting à Yopougon. De Bagom lui-même. Vous venez pleurer sur Facebook, non, vous agressez. Faites déclaration là. Mais dites-nous ce que vous avez fait. Est-ce qu'un Kodjou Bassia, est-ce que vous avez frappé ces imbéciles là? Un Kodjou Bassia, vous les frappez propre. Toi, tu frappes, tu veux prendre ton papa. Hein? Vous faites politique, non? Avant vous agressez, vous, attends, vous allez avoir raison où? Mais, madame Lorounion, ils sont allés chez elle. Elle a porté plainte, qu'elle est arrêtée. Je pose la question, madame Lorounion, ils sont allés chez elle devant vous tous. Pour aller la menacer, menacer son mari. Ils ont filmé. Elle a porté plainte. Quelqu'un est arrêté ici? Non, dites-moi. C'est vous seul qui êtes votre défenseur, votre orphelin. Le peuple de Côte d'Ivoire est orphelin. Si vous ne savez pas ça, c'est à nous de nous battre. Ne comptez pas sur eux. Parce qu'ils ne vont pas activer la justice pour vous protéger quand même. Parce que c'est eux qui les envoient pour vous traumatiser. Les chefs des microbes en Côte d'Ivoire s'appellent comment? S'appelle Cissé Bakongo. Les chefs des microbes en Côte d'Ivoire s'appellent Cissé Bakongo. Qui l'a dit? C'est la députée Traoré de Koumassi qui l'a dit. Elle a fait une conférence de presse où elle a expliqué que les patrons des microbes en Côte d'Ivoire, à Kouma, il s'appelle Bitogo, quand les, Bakongo, quand on les arrête là, c'est lui qui appelle pour les faire libérer. C'est lui qui appelle pour les faire libérer. Awaza, le chef des microbes. Mais c'est lui qui est parti chez le président Bédier pour aller verser du sang humain. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Awaza, et une coach, une meute des charognards, des vauriens, des soudards, des bandits, des drogués, des vauriens, des valipiers, tenants vides, pieds plats, bras cassés, pieds cassés, s'est déporté où? Chez Lorounion. Parlez de quoi? La menacer. Ah bon? Seigneur, je t'ai bloqué, je t'ai bloqué. Ne m'appelez pas, ne m'appelez pas. Se sont déportés, parlez où? Chez qui? Chez Lorounion. Ils l'ont menacé devant vous tous. Ils ont filmé. Et puis ils ont mis sur les réseaux sociaux. Mais ces soudards, ces vendis et ces bandits, ces voyous, doivent retenir une seule chose. John Polo le temps en Côte d'Ivoire. Tout le monde avait peur de lui. Je te donne ça ici comme phrase. Que ça reste dans ton cerveau comme une parole coranique ou bien biblique. John Polo le temps en Côte d'Ivoire. Les gens avaient peur de lui. Oui, c'était un zigueï. Mais qui l'attendait? C'est quand Gueye est venu au pouvoir, ils ont filé à lui. Actuellement, là, il te joue le Gangaba, non? Faut jouer le Gangaba. Mais le RDL, là, quand il parle à Titaba, ça va pas se passer comme ça. Ça va pas se passer comme ça. Les gars, ça va pas rester comme ça. Il vous l'a dit ça, hein? Que c'est une menace directe. Et il doit prendre ça très au sérieux. Tous ceux qui sont en train aujourd'hui de persécuter les gens, ils vont payer ça tôt ou tard. Écrivez ça. Ne croyez pas que demain il y aura un sabalidé. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas. Et le pouvoir va changer. Champion, vous allez boire les calices jusqu'à la lit. Vous allez boire les calices jusqu'à la lit. Et ça fait mal. Accouchement difficile. La douleur de ça. Champion, amène à pomper là. Amène à pomper propre. Amène à pomper propre. Voilà, bidaï. Grâce que dans toi, on va faire que ça se fonde. Ton corps, là, volumineux, là. Grâce que dedans, là, ça va fondre à la seconde. Tu as mis les pompées. Et tu vas apprécier. Faut prendre la vidéo là. Dans ça. Et tous ceux qui sont avec votre là, qui font dans cette dans ça là, vous tous vous allez apprécier. Nos frères qui ont été tués. Parce qu'ils sont de l'opposition. Ceux qui ont tout ça là. Champion, vous allez apprécier. Vous allez apprécier. Regardez la vidéo. C'est le bête. On ne va pas se laisser faire. On ne se laissera pas faire. Nous sommes déterminés parce que c'est avec les autres vous faites votre brutalité, votre barbarie. Sinon, il y a petit Djoula là-bas. Hein. Mais vous laissez, vous savez qui peut attaquer. Vous savez qui attaquer. Encore le tchou. Maté quoi là-haut. Vous ne buvez pas hors de goudron. Vous savez ce que vous faites. Awaza ici, qui l'a arrêté? Personne l'a arrêté. Et vous comptez sur qui? Vous comptez sur le pouvoir de Ouattara pour vous défendre. La vidéo, on va écouter la vidéo. Mais moi, je vous dis. Quand vous partez à votre meeting là, retroussez les manches. Retroussez les manches. Portez les lequets. Laissez les souliers là. Laissez les sébarcos. Laissez simplement. L'aide n'est pas aux souliers. Si à vos cadres là, ne pas porter souliers s'ils veulent. Mais vous les boyez là. À chacun son lequet. S'ils tiennent là, il faut les barbiettes.
Daniel, quand vous partez dans un meeting là-bas, attendez de bloquer une barre pierre là. Numéro 2, go, du salala. Aucune tombe bien, qui sait. Le bas bien collecté là. Alors, je vais vous dire une chose. Ces petits morveux là, ces petits voleurs dans les métros de Paris, ces petits brigands, délinquants, microbes, connus négativement, ces poisses, n'est-ce pas, emmagasinés là. Oui, ces envahisseurs là, ceux-là, faut pas les laisser. Faut pas les laisser. À Tchao, à Moussou, tout est pareil. Il n'y a pas un qui est pas dedans. Tous des vermines rassemblées, regroupées, des analphabètes chroniques entassés. Des illettrés notoires quand on parle de vieux faire politique. Des illettrés notoires qu'on prend et puis vieux faire politique. Des analphabètes fiefés, c'est eux qui vont faire politique. Et tout pour eux là, c'est Borokourou. Tiens, Amadidoma, 2025 là, ça va se passer. Peuple ACI, votre vidéo qu'on a vue là, la prochaine fois là, quand vous partez là, s'il y a d'abord Picard, ça va, il n'y a qu'à porter même un soulier qui veut. Si GPS, ça va quelque part, et puis il y a tes fous, ou bien il y a Carlos Mao, il n'y a qu'à porter un soulier qui veut. Mais tous les boyaux à quelque part là, à chacun sur lesquels, on courir avec eux, il faut courir avec eux. S'ils viennent là, il faut courir avec eux. Il faut vadir ces gens là. Vous allez voir, ils vont plus jamais vous attaquer. Si vous avez un ballon, au moins deux ou trois, et puis ça sort dans les journaux, Wallahi Bilal, ils vont plus venir encore. Maintenant, PPACI fait meeting. Les femmes, vous êtes en l'équerre. Les hommes, en l'équerre. Vous faut courir avec eux. Faut courir avec eux. Il faut courir avec eux. Ils vont comprendre. Ils aiment se mettre les gars de la violence. Quand tu imposes la violence, ils se calment, ils se trécoutent. Mais si vous voulez chacun là, ça passe pas dans LSPK. Mais c'est des animaux. Des gens qui vous disent qu'on est mouton de ado. Tu fais quoi ça? Avec un animal. Avec un animal. Depuis quand on dresse un mouton avec la main, c'est avec le bâton du berger fêtard. Donc pour gérer ces moutons-là, ces analphabètes-là, ces brebis, ces garés-là, pour les guider là, tu sors le bâton et puis tu fêtes ça. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que c'est rentré? Quand vous partez dans un meeting là, plus jamais de costume, laissez costume. Vous portez tricot, des babos, et puis on a alloué ça. Alloué ça! Il n'est pas venu agresser. Voilà, Bilay, vous prenez deux, vous les vadissez! Vous les vadissez! Plus jamais de vidéo. Je vous entends encore faire vidéo. Vous dites non, nous sommes vous agresser là. C'est que vous n'avez pas compris mes conseils. Si vous mettez ça en pratique là, il faut, parce qu'ils ont commencé les actes d'intimidation. On appelle ça acte d'intimidation. Je rentrerai en profondeur. Si c'est que le RDA a fait, quand votre était dans l'opposition, contre vos cadres au pouvoir. Nous avons des secrets et je vais casser les dalles. Tu vas casser les dalles. Ils ont commencé la stratégie d'intimidation. Beaucoup de cadres chez vous, même en temps au pouvoir, la résidence est haute, étaient ciblées. Les gars, j'ai cassé les dents, il y aura moyen. Je les connais. Je les connais, on se connaît. Le bus cassé brûlé souvent là. C'est la stratégie terroriste politique. Et ils ont commencé, ils sont encore au pouvoir. Mais cette fois-ci, on va faire ça ensemble. On va faire ça ensemble. Vous n'allez pas intimider quelqu'un. Vous n'allez pas effrayer quelqu'un. Parce qu'on va se babou et puis fauter. Moi, j'ai parlé de quelqu'un plus encore. Hein. C'est lui qui pleure la même, lui et moi ensemble. La stratégie de terreur qu'il veut imposer là. La peur a changé de camp. Et comme ils ont peur, ils veulent vous intimider pour que 2025, il n'y a pas d'engouement. Mais je vous dis, en 2025, là, la quiétude, la stabilité, la sérénité, la tranquillité en Côte d'Ivoire va avec la réinscription et la candidature de Guillaume sur la Côte d'Ivoire aux élections présidentielles. En 2025, la tranquillité, la stabilité, la quiétude, la paix sociale va avec la candidature de Babo Laurent en 2025. Mais si vous n'avez pas compris ces français-là, ce langage, vous pensez pouvoir exclure les gens et vous faire un boulevard. Vous dites que vous êtes majoritaire, vous mentez. Vous mentez. Mais quand on est majoritaire, on ne parle pas par des arguties, des acrobaties, afin d'être exclu ceux qui sont les meilleures personnes derrière elles. Les leaders politiques, non. Ces personnalités-là, que je viens de citer là, elles seront candidates. Ça y va de la stabilité de la Côte d'Ivoire. Ça y va de la paix sociale en Côte d'Ivoire. La candidature de Babo et Guillaume Soro. Il dit, ça y va de la paix sociale. Ça là, faut comprendre ça. La candidature de Babo, de Guillaume Soro,
en 2025 là, c'est indiscutable, c'est indéniable, ça y va de la paix en Côte d'Ivoire. Les millions de personnes qui se reconnaissent en eux là, ces personnes là, on va les mettre sur le carreau, c'est pas possible. C'est techniquement, politiquement, et sociologiquement, anthropologiquement, impossible de les mettre à l'écart, jamais de la vie. Il n'y aura pas de coup d'état en Côte d'Ivoire en 2025, comme vous l'avez fait en 2020. Il n'y aura pas cela. Il y aura une élection inclusive, transparente en Côte d'Ivoire et crédible en Côte d'Ivoire. Les candidats vont aller candidater et c'est le peuple souverain, seul ivoirien, qui va donner, n'est-ce pas, son titus, tapoté s'il vous plaît, il va bloquer mon dieu, qui va donner, comment dirais-je, sa bénédiction, sa destinée à qui il veut, comme il veut, quand il veut, la femme ou le monsieur qu'il veut. C'est le peuple souverain qui donnera à la Côte d'Ivoire la clé. Mais ce n'est pas un individu, lui et sa cour, sa smala, qui vont dire, nous on est majoritaire, et puis s'impose. Non, non, non. Une élection présidentielle, c'est le rendez-vous d'un homme avec un peuple. C'est à ce peuple-là de dire à toi, je donne, n'est-ce pas, mon destin. On n'arrache pas le destin d'un peuple, comme le fait Alassane Ouattara, contre son gré, et puis on s'impose, et puis on vole, on pille, et puis on enlève des gens, on décapite des gens, et on n'est pas de démocratie. Non, ce n'est pas la démocratie. C'est la démocratie. Je le prends. Ce n'est pas la démocratie, mais la démocratie. Oui, une démocratie basée sur le sang. Oui, parce que Ouattara est un fétichiste, un sataniste, un iblicien. Oui, habité par la violence, par le sang. Ça démontre depuis qu'il est venu au pouvoir, en Côte d'Ivoire, en politique, avec un chaos total, généralisé. Un chaos indescriptible. Loi de mort, force commune. Oui, des milliers de morts pour qu'un individu soit président. Parce que lui, il a pactisé avec le diable pour être président. Parce que lui, il a voulu être président, il faut verser des billions de litres de sang des Ivoiriens. Le prix à payer a coûté très cher aux Ivoiriens. Il faut mettre fin à l'hémorragie. Il faut mettre fin à l'hémorragie. On ne combat pas le Satan avec, comment on appelle ça, avec le Satan. On combat le Satan avec Dieu. Oui. Parce que le Satan, son médicament, c'est Dieu. Donc pour le combattre, il faut combattre Ouattara. Il faut l'attaquer à la racine. Et nous allons le faire. Il a peur. La peur a changé de camp. Mais il sera défait. Le roi nu, dans sa déchéance, toute honte bue, quittera le pouvoir en Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'est pas né avec le pouvoir. Cet arriviste opportuniste qui est venu s'accaparer de notre pays et qui paye ce pays-là en complicité avec des Ivoiriens, des vendus, des corrompus, des escrocs, des bouffons, des sardinettes qui l'accompagnent dans le pillage systématique de nos ressources. La Côte d'Ivoire, mon beau pays, comme dirait l'autre, mon pays, le pays de mes ancêtres, mon beau village, le village de mes ancêtres, personne d'eux ne peut nous enlever notre cordon ombilical. Personne ne peut nous enlever notre ivoirité. Personne d'eux ne peut nous empêcher de nous réclamer. Oui, personne ne peut. Ils n'ont pas qualité. Ils n'ont pas. C'est plus profond que la Côte d'Ivoire est dans notre sang, dans notre âme, dans notre ADN, dans notre esprit. C'est notre vie. Ils ne peuvent pas. Nous allons nous battre pour notre pays. C'est mon beau pays, le pays de mes ancêtres. Mon beau village, le village de mon enfance, là mon cordon ombilical a été enterré. Personne d'eux ne va me décorer de mon combat. Nous sommes prêts. C'est le combat de ma vie. C'est la vie, c'est une seule fois, un seul combat. C'est le combat de notre vie. Et nous allons mener ce combat-là avec abnégation et courage. Détermination et résilience. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour notre combat. On a pesé le pour et le contre, les conséquences, jusqu'au sacrifice suprême. Nous sommes prêts. On ne vit qu'une seule fois. Notre génération doit comprendre, la génération future, le tribunal de l'histoire dira que nous avons fait le combat juste pour notre honneur, notre dignité, notre fierté, pour nos ancêtres. Nous le ferons. Nous sommes prêts. Nous avons pris ce serment devant nos ancêtres de lutter farouchement contre le régime de Ouattara. Nous sommes prêts. On a pris cet engagement-là devant nos ancêtres. Nous sommes prêts. On a pris cet engagement de ne jamais trahir, nous renier, de ne jamais démissionner. Nous sommes prêts à nous battre. Et nous allons nous battre jusqu'à notre dernier souffle. C'est le combat de notre vie. Nous sommes prêts. Mon beau pays,
le pays de mes ancêtres, mon beau village, les villages de mes ancêtres, qui est aujourd'hui occupé par des individus qui pensent qu'ils sont arrivés. Non. Les dignes fils de ce pays vont se coaliser et ils vont se battre. Ils le savent qu'ils n'ont pas le droit de partir de cette terre sans donner vie à la terre de leurs ancêtres. Personne ne viendra faire le combat à leur place. Ils ont l'obligation. Ils sont condamnés de réussir. Sinon, l'échec serait l'échec générationnel, ancestral. C'est un combat qui est très profond. Nous sommes prêts à le mener. Rien ne va nous décourager. Quand un camarade va tomber, nous lui rendrons hommage et nous allons continuer la lutte. Rien ne va nous freiner. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Malgré le prix à payer, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Quel que soit le prix à payer, nous sommes prêts. Oui, nous sommes prêts. On a pesé tout. La corruption. Achat de conscience. Vous avez tout tenté, mais on a dit que nous sommes prêts. Et cette lutte, on va la mener. Nous allons transpirer, comme je transpire actuellement. Nous allons transpirer, batailler. Nous sommes prêts. Je me bats pour mes ancêtres. Je me bats pour mes enfants et petits-enfants. Ce serait un échec pour moi de léguer à mes enfants un pays occupé par ces barbares. Ce serait un échec pour moi, dans ma tombe, que j'ai échoué lâchement, que j'ai démissionné lâchement parce qu'on m'a payé. Qu'est-ce que je vais donner à mes enfants? Qu'est-ce que je vais donner à mes enfants et petits-enfants? Rejoindre mes ancêtres lâchement, sans avoir combattu les vrais combats, les justes combats. Non. Vous n'avez pas le droit de capituler. Battez-vous. Et je vais proposer ici, pour vous qui avez connu cela, un riche laboureur. Un riche laboureur sentant sa mort prochaine, fait venir ses enfants et les parla sans témoin. Gardez-vous, dit-il, devant l'héritage que vous avez légué de vos parents. Travaillez, fouillez, bêchez, et ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le laboureur et ses enfants. L'héritage que nous avons aujourd'hui de nos pères n'est pas l'héritage que votre doit nous voler. Notre terre ne peut pas être volée par ces voleurs, par ces bandits, par ces braqueurs. Non. C'est la terre de mes ancêtres. Après, je dis, ils ne savent pas où ils sont. Ils sont tombés sur une génération décomplexée, déterminée, oui, et courageuse. Et mieux, une génération désintéressée. Parce que nous, on n'est pas intéressés par l'argent. Nous sommes pauvres. Mon père était pauvre. Ma mère pauvre. Je suis un enfant de pauvre. Je ne suis pas un enfant de bourgeois. Je ne suis pas né avec une cuillère en or dans la bouche. Pour dire, si je n'ai pas du beefsteak, ou bien du tartare, ou bien des omars, ou bien des du caviar, je vais pleurer. Je ne pleure pas. Mais c'est un enfant de pauvre. Désintéressé. Nous sommes prêts pour faire cette lutte-là. En 2025, et avant 2025, ne vous laissez pas intimider par les militants du RDR. Ils n'ont pas de qualité pour vous intimider. Ils n'ont pas de qualité pour vous menacer. Ils n'ont pas de qualité. Imposez-leur la violence s'ils convoquent la violence. Je le prends. Ils n'ont pas de qualité en démocratie, en politique, où la violence n'a pas sa place pour convoquer la violence sur vous. S'ils convoquent la violence, vous répondez par la violence. Loi d'Italien, œil pour œil, dent pour dent. N'oubliez jamais ça. Ne vous laissez pas intimider. Ils sont des nifras. Vous êtes aussi des nifras. N'acceptez aucun chantage, aucune intimidation de ces farfelus, de ces signards, de ces drogués, de ces soulards qui écument les restaurants, les bars, les maquis, les boîtes de nuit. Oui, en train de se sauver la gueule. Par contre, moi de carême, assalam alaikum, je suis en carême. Ah bon? Tous les maquis sont vides. Les boîtes de nuit vides. Les bars vides. Partout. Parce que les plus grands soulards, les plus grands alcooliques, sans jeter de mettre le carême. C'est un petit bandit, voyou, drogué, voleur de métro. Ils sont maintenant en carême. La paix est là. Les maquis, les tenanciers de bas se plaignent. Mais ça ne marche pas. Parce que les plus grands soulards vont prendre au moins un mois pour ne pas boire. Vrai ou faux? C'est un constat. C'est implacable. C'est indéniable. C'est indiscutable. Peuple ACI, chers frères, on va écouter cette vidéo. La prochaine fois, quand vous allez à une manifestation du PPACI, à chacun sur les quais. Vous partez avec vos les quais,
laissez les souliers, laissez les sébargos, laissez la chemise, vous portez t-shirt, vous transpirez. Et quand ils viennent là, vous courez avec eux. On dit en anglais, manorum, personne ne fuit, vous courez avec eux. Et quand vous allez imposer ça, vous allez voir qu'ils vont vous respecter. Et c'est pareil pour tous nos frères de l'opposition. On n'acceptera pas qu'ils convoquent, qu'ils ramènent la violence dans le jeu politique. Ils ont assez fait. Depuis la création du RDR, en 1994, jusqu'en 2024, soit combien d'années, soit 30 ans, c'est 30 ans de brutalité, c'est 30 ans de violence, c'est 30 ans de barbarie, c'est 30 ans d'assassinat, c'est 30 ans de décapitation, c'est 30 ans de microbes, d'agressivité. Oui, verbal comme physique. C'est 30 ans de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas de leçon. Ils ne sont pas qualifiés à vous donner des leçons en la matière. Ils sont tellement barbares, brutales, qu'ils ne savent pas la démocratie et sa définition très noble et sa lettre de noblesse. S'ils convoquent la violence, imposez-leur la violence. Sinon, ils vont finir par vous massacrer. Celui qui n'est pas prêt, qu'il démissionne. Maintenant. Celui qui n'est pas prêt, qu'il démissionne. Parce que le combat sera dur. On ne déloge pas un dictateur comme ça. Ça demande beaucoup de sacrifices. Beaucoup d'abnégation, de courage. Un dictateur ne tombe pas comme ça sans dégâts. Si tu n'es pas prêt, il faut démissionner. C'est maintenant. Parce que le combat sera dur. Et quand c'est dur, c'est le dur avance. Soyez fort. Plus jamais de souliers à vos meetings. À chacun son lequel. Là, quand ces barbares du RDR se déportent à vos manifestations, pour aller vous agresser, vous les frappez dur. Vous les concassez dur. Il faut qu'ils sentent ça dans la moelle épinière. Ils doivent sentir ça. Allez au bâtard sauter. Quand ils viennent là, qu'au bâtard sauter. Ils reviennent. Allez au bâtard sauter. Qu'on fasse un bâtard sauter. Quand ils vont revenir, ils vont partir. Ils vont dire à leur camarade du grain que les gens se sont réveillés maintenant. Restez debout, patriotes, pacifistes, mais vous devez rester aussi avec le brocourou. Qui veut la paix, prépare la guerre. Qui veut la paix, prépare la guerre. Vous le savez. Alors préparez-vous également. Ne vous laissez pas surprendre comme ils l'ont fait à Jesco. Vous frappez et partir. Non, plus jamais ça encore. Ta beauté, s'il vous plaît. On va essayer d'écouter la vidéo. Ils avaient pour slogan déclaration contre le retour de la violence politique en Côte d'Ivoire. Les faits. Ici, au Parlement, la débarque de la GESCO. Hier, aux environs de 21h, les éléments identifiés comme des militants du RDT sont venus attaquer violemment nos militants. Nos camarades délibéraient librement et pacifiquement au Parlement. Ils sont venus avec des machettes et des boulettes et saccager tout le matériel, les chaises et la sono emportée. Ils avaient pour slogan à la salle ou rien et ils parlaient en langue malinquée. Voilà des indices pour nous qui concordent que ce sont des militants du RHDP. Nous venions à travers cette photo protester vigoureusement avec la dernière énergie contre le retour de la violence politique en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, depuis ce matin, nous avons saisi l'autorité politique compétente, à savoir la mairie de Kougon par son premier agent au maire, pour protester contre cette violence. Nous sommes ensuite allés nous plaindre au district de Yopougon et au commissariat du 38e arrondissement pour protester contre cette agression barbare et inacceptable. Attendez là, deux secondes, j'ai bloqué une vieille chouette là. Je vais pas te répondre, parce que te répondre, c'est même pas la peine. Bon, parce qu'il y a tellement de femmes ici. Bon, une dévergondée de ton espèce, c'est te répondre comment? Une chienne qui se fait baiser dans tous les ateliers. Elle te répond comment? Elle te répond comment? Toi qui te fais couiller dans tous dans les toilettes, n'est-ce pas, des maisons de passe. Quand tu veux m'insulter, tu veux m'insulter toi? Quand tu me vois, tu veux m'insulter. Mais c'est lui que même mon chien, il peut pas te faire l'amour. Mal baisé là. Chienne, va. Bloquez ça. Elle est où, cette idiote là? Avec sa peau gâtée de diprosone là. Avec son teint, André, son teint, quatre couleurs là, numéro 2, son groupe bas. Il a mis bataille sur tes numéro 2, frère. Qu'on asse tout. Bas bien là. Il peut venir parler, hein, mais si j'insulte la vie, ma bas bien, numéro 2, qu'on asse tout. Une chienne, une boclée comme ça là.
Elle est où même cette babie là? Elle est où là? Elle a mis battre à sauter. Il y a un mot de son groupe bas. Alors! Voilà. Non, je suis pas mal poli. Vous pensez que pour moi, c'est à l'étranger? Hein? Vous pensez que pour moi, c'est à l'étranger? Moi, ici, le terminateur du FDS, c'est moi. Ici, le terministe. Vous venez sur ma page, ma belle bataille sauter. Moi, je ne vous aime pas, vous venez sur ma page. Vous me prenez, ma bouche est sale. Ma bouche est sale. Hein? Quand tu me chètes là, tu as mis bataille sauter. Mais vous ne m'aimez pas, vous venez sur ma page. Vous devez me chèter pourquoi? Vous n'avez pas celui qui a sorti là chez vous là-bas. Voilà. Vous ne pouvez me chèter pas, je m'en fous. Hein? Mais bon, quand vous me provoquez là, tu as mis bataille sauter. Alors! Voilà, quand j'ai le bloc, après, il m'a dit, t'as dit, Alice, quoi, s'il faut nous débloquer. C'est parti. Donc, quand il vient de citer, moi, je veux que vous commentez, mais il ne faut pas citer. Vous pouvez pas être d'accord avec moi, c'est pas grave. Voilà. Mais citer, là, ça sert à quoi? C'est pour ça que je cite aussi. Tiens. Vous parlez comme étant politique, là. C'est Guillaume Soro, c'est le Afoussi Bamba et autres, là. C'est eux qui font politique choco. Moi, je suis un politicien libre. Quand c'est bon, je parle gros français, mais quand c'est gâté, là, c'est gâté. Bon, on y va, les gars. C'est bon, on y va. Chacun, on y va. Chacun, balle l'euro. Alors, frères et sœurs du PPAC, la vidéo on l'a écouté. Vous condamnez avec la dernière énergie. Do act. Mais la prochaine fois là, vous appelez auprès des autorités. Ok, on a compris. Mais la prochaine fois là, je vois les chemises, vous allez porter les chemises là. Il faut enlever les chemises là. La prochaine fois, quand vous partez dans le meeting là, vous portez chemise, vous voulez vous jeter le chocolat, enlevez ça. Quand vous serez au palais, si Dieu le veut, que le peuple de Côte d'Ivoire l'accepte là, et donc, si le peuple de Côte d'Ivoire l'accepte et que Dieu le veut, votre palais, vous allez porter cravate là-bas. Vous allez porter chemise là-bas. Mais actuellement là, il faut porter tricot. Et puis quand ils viennent là, c'est un coup de poing de Satan. Chabion, t'as pas été au village? Il n'a pas lavé un peu ta mère quand même. Chabion, t'as pas un villageois? Moi, c'est un villageois progrès. Donc, vous là, nous condamnons avec la plus grande énergie. Chabion, on a trouvé qu'on a avec la plus grande énergie de la Côte d'Ivoire. Autour de moi maintenant. On dit les chiens, mais ça va aller s'asseoir. Donc, comportement de mouton et réaction du berger.